Hey, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans notre let's play de Star Wars Jedi Fallen Order. C'est la 23e vidéo, donc on a retrouvé notre sabre, on est dans le temple du Jedi. Et on va essayer de s'en sortir tout simplement. Donc les amis, pour les nouveaux venus sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous intéresse. Activez la cloche de notification pour avoir les dernières sorties. Pour cette vidéo, pouce en l'air, un commentaire. Faites-la tourner autant que vous voulez. Bah je vous dis à très bientôt, je pense qu'il va y avoir de la baston. Ouais. Allez, c'est parti. Bonne vidéo les copains. Mort toi. Ah. On ne laissera pas faire. Il est inutile de résister. Intégrité compromise. À toi. Douleur infligée. Ok. Vos chances de survie sont infimes. Bah. BD, aide-moi. Voilà. Vous le regrettez. Voilà. Allez. Donc là, ok. On continue. Mon blaster a eu des ratés tout à l'heure. J'espère que c'est arrangé. Allez, on attaque. Moi, d'accord. J'arrête pas à le toucher. Ça y est. Ils ont réussi à appeler des renforts. Tous les destroyers stellaires qui se trouvent dans le secteur vont rappliquer. S'ils arrivent ici avant toi. Non, pas question de se faire prendre maintenant. Je serai là. On va peut-être se bastonner un peu quand même. On a de la compagnie. Gris doit fermer le Mantis. Quoi? Avec l'Empire à ses trousses? Ça va pas bien, petit gars? Fais-le. D'accord, on ferme le vaisseau. Tiens. J'ai besoin d'aide. Ça va le faire. Voilà. Ah, je suis trop gourmand. Ah mais c'est les chauffeurs. Je suis bête. Par ici le Steam BD.
Et ben voilà. Tranquille. Tu as réussi. Grâce à vous. Je ne serais pas là sans votre aide. J'étais terré sur Braca, rêvant d'assaillir Coruscant avec les survivants du Conseil Jedi. Je reviens tout de suite. Plus tard, Cal. Désolé. Il faut aller où ? Ah, j'ai dû oublier quelque chose ? Ah non. Bon bah on va aller changer de planète, je pense. Ok. J'espère pas avoir oublié quelque chose. Datomir. Faut croire qu'on va retourner sur Datomir. C'est parti. On est reparti sur notre planète. Datomir. Il est temps que je l'affronte. Oui. Tu es prêt à affronter ton passé. Et pour vous, Etrilla ? Je ne suis pas sûre d'être prête un jour. Tu sais ce que tu dois faire pour commencer à guérir, et je suis vraiment fière de toi. Mais ma voix est tout autre. Je suis là pour vous si vous avez besoin de moi. Assieds-toi, on y est. Ok. Allez. Tout ira bien. Tout ira bien. Tu veux parier sur ce qu'on va trouver comme truc affreux cette fois ? Des morts vivants, des araignées géantes, des planteuses ? Je reviens tout de suite. Ok. Ah ouais. C'est chaud. Ok. Là on savait, on découpe un peu Bah bon c'est pas grave. C'est pas spécialement ça que je voulais faire, mais je l'ai fait quand même. Par contre, elle rapporte pas mal les frangines là. Yeah.
bien là qu'il faut aller, hein. Oui, c'est ça. Oula. On va essayer de pas faire un loupé. Oh. Il est blessé. D'accord. Insupportable. Ok, bon, c'est pas grave, ça faisait longtemps que j'avais pas perdu. Allez, on va se concentrer. On va se concentrer parce que là ça ne va pas du tout. Ça va pas du tout. J'ai très mal joué. Le problème c'est que quand quand c'est du corps à corps, on s'en sort. Mais quand tout le monde a des armes de projectiles, et en plus nous on n'en a pas, donc on est obligé de se battre au... Ça que je trouve un peu con aussi, on n'est pas un... De temps en temps, une arme à projectiles, en fait. Enfin, pas de temps en temps, c'est une arme à projectiles tout court. Alors là... Oh là là, ça y est, ça commence à me gonfler. Allez. On n'a rien vu. Oh là là. Voilà. Allez, on recommence. On va essayer de récupérer surtout ce qu'on a perdu. Ah, oh, j'ai vraiment fait, mais n'importe quoi. Alors, c'est lequel qui nous a tués? D'accord, ils ont disparu. Bon. Alors, moi, faudra qu'on m'explique. Les adversaires, on les a même pas tués, ils ont disparu. Très bien. Je pense que le jeu il a des petits bugs hein, quand même. Alors. Maître. Tu as eu tort de revenir ici sans armes. J'ai une arme. Tu crois que ce sabre laser fait de toi un Jedi? Non. Être face à vous. Les souvenirs qui m'obsèdent depuis Braca. J'ai décidé de ne plus les fuir. Alors découvrons quel type de mort te réserve ton courage. Tu n'es pas mon égal dans la force. Oh, pathétique. Impressionnant. Mais le pouvoir est-il la clé ? Thank you.
Jamais je n'oublierai. Le passé est devenu une partie de moi. Je serai digne de vous. Et de votre sacrifice. N'oublie pas. La persévérance te montrera la voie. Ok. Très bien. Bon, un pas en avant supplémentaire. Oh là là. Ton temps est compté. Avancez prudemment, mes frères. Meurs, paradis. Tu ne peux pas cacher tes faiblesses. C'est insupportable. J'ai besoin de toi, BD. Ça ne m'arrêtera pas. Veille pour les crimes. Oh là là. Pas simple les combats quand même. On est à quoi faire. Il y a peut-être un passage là. Peut-être quelque chose à récupérer. Super. Là. C'est un lieu maudit. N'aie pas peur. Tu dois tenir parole. Tu m'as promis de m'apprendre la magie. Mes défuntes sœurs. Cet homme nous a promis notre revanche, à condition que je lui enseigne notre magie. Je regrette. Mais je dois m'allier à Malikos. C'est pas hypé, hein, le passage. Allez. On va essayer d'un peu mieux jouer, parce que là... Tu as choisi de revenir. C'est brave. Mais imprudent. Peut-être. Merin, c'est ça? Je m'appelle Cal Kestis. Tout ce qu'on t'a raconté sur les Jedi est faux. Si tu le dis, Cal. Malikos dit lui aussi des choses. Taron Malikos a peut-être été un Jedi, mais ce qu'il est devenu... Je n'en ai aucune idée. Mais ce n'est pas parce qu'on porte un sabre laser qu'on est forcément un Jedi. Alors quoi? Ils garantissaient la paix. Et ont été trahis par ceux qu'ils protégeaient. Ils ont été pourchassés par l'Empire et... Je suis peut-être un des derniers Jedi. J'étais une enfant quand ils ont attaqué. Un guerrier de métal qui brandissait ceci s'est précipité sur nous. Et à exterminer mon peuple. Mes sœurs. Je me suis retrouvée seule. Avec les corps. Et Malikos est arrivé. Me promettant ma vengeance. En échange de tous nos plus précieux secrets. Je sais bien ce que ça fait d'avoir tout perdu. Et Malikos a eu tort de s'en servir contre toi. On n'a pas besoin d'être ennemis.
tu en auras besoin. Ok, bon. La voilà qui repart. J'observerai. Fichons le camp d'ici. Maliko, c'est proche. Tu peux encore partir? Je ne peux pas. Il y a des vies en jeu. Quelle vie? Des innocents. Des enfants sensibles à la Force qui seront traqués et assassinés. Comme mes sœurs. Mon ami, je ne suis pas du genre à reculer sur la voie de la connaissance. Ok. Il s'est passé quelque chose d'horrible. Ils se sont entretués dans une quête de pouvoir. Ah, ça va, là, il y a du. Il y a de l'XP là. Cal Kestis. Malikos. Bienvenue. Tu es venu pour t'entraîner? Pourquoi ces ruines t'intéressent-elles au point de risquer ta vie? Je peux vous retourner la question. Car leur pouvoir est grand. Bien trop grand pour un Jedi. Un pouvoir que je contrôle. Si tu veux, je peux te l'offrir. Vous ne comprenez pas? Le pouvoir n'est pas ce que je recherche. Je veux reconstruire l'ordre. Reconstruire l'ordre Jedi? Tu es un pauvre fou. Il est trop tard! Les Jedi sont morts bien avant la purge. Asphyxiés par leur tradition. Aveuglés par leur gloire passée. Et assourdis par une guerre sans fin. Peut-être bien. Mais il n'est jamais trop tard, Malikos. Nous pouvons apprendre, puisque nous sommes debout. Et nous repentir des erreurs du passé. Les Jedi... ils n'ont plus aucun avenir. Comment peux-tu l'ignorer? Il faut penser au renouveau. Toi et moi, nous pouvons bâtir autre chose. De bien plus grand. Non. Alors Datomir va devenir ton tombeau. Ok. Bon. Seuls les lâches fuient. Un coup de chance. Tu es pitoyable. Affronte-moi. Je me concentre. Domine-moi! J'ai rien senti! Je t'attends! C'est pas vrai, j'ai pas le temps de... Jedi. Seuls les lâches fuient. Tu n'es que l'ombre d'un Jedi. Je n'étais rien. Je suis mal barré. Vise mieux si tu veux vivre. Ok.
Tu es pitoyable. J'ai eu tort de croire que tu pourrais m'aider. Heure minable. Tu n'as aucun droit sur Datomir. Aucun droit sur notre magie. Relève-toi, Cal Kestis. Ton heure n'est pas venue. Ok. On est foutu par contre. D'accord. Ok. Bon. On va essayer de mieux jouer. On est quand même mal barré. C'est quand même compliqué. C'est quand même relativement compliqué. Mais on va essayer de jouer mieux. Esquiver, attaquer quand il faut. Utiliser la force. On va essayer de faire mieux. Et j'avais déjà commencé avec seulement 3 steam, si je me trompe pas. Donc, je commençais déjà handicapé. Faut voir où on commence aussi. C'est toujours pareil. Eh ouais. Qui c'est ? Tu ne peux pas gagner, étranger. Voilà, déjà. Ça, on s'en fout. Direct. Hop, hop. Allez. Direct. On y va. Ce n'est que l'ombre d'un Jedi. Seuls les lâches fuient. J'ai survécu à pire. Inutile de bloquer mes coups. Allez. Toi, Padawan, je me concentre. Essaye pour voir. Un steam. Seuls les lâches fuient. Ah, j'ai pas le temps. Tu finiras bien par mourir. Tu ne me toucheras pas. J'ai survécu à pire. J'ai pas eu le temps. Faites défense. Et pas mal.
Ah, mais... C'est pas vrai. Ce n'était rien. J'ai failli t'avoir. Hé, BD, Sim. Tu ne me toucheras pas. Allez mourir, Maliko. Essaye pour voir. Mais c'est pas vrai. Par là, BD. J'ai survécu à dire. BD, vite. C'est en train de m'agacer là. Allez. Tu ne me vaincras pas. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Vous aviez raison, Malikos. Datomir sera votre tombeau. Ok, bon, on a quand même réussi. C'est pas mal. Laisse-le dans les ténèbres avec ses secrets. Jusqu'à ce qu'il en meure. Pourquoi tu m'as aidé? Pour délivrer Datomir de ce parasite. Que fais-tu vraiment ici, Calcestis? Ceux qui ont bâti ce tombeau, les Éphos, ont créé un objet qu'on appelle Astrium. Il ouvre un sanctuaire sur une planète lointaine. Je reviens tout de suite. Ok, on va déjà méditer. Ok. Ce lieu, c'est... terrifiant. Ah ah. On l'a enfin trouvé. Alors il existe. Meryn, c'est peut-être la clé de la nouvelle génération de Jedi. Je me réjouis pour toi. Et tes Jedi. Il n'y a rien qui puisse me ramener les miens. Ouais. Juste après la purge, je suis resté tout seul pendant très longtemps. J'étais caché, j'avais peur que quelqu'un découvre qui j'étais, ou ce que j'étais. Qu'est-ce qui a changé? Un très bon ami m'a conseillé de partir et de trouver ma place dans la galaxie. Et tu l'as fait? Non. Mais... la vie a cette drôle de façon de te pousser vers l'avant quand on n'a pas envie. Je suis là désormais. Contre toute attente. Te pousser vers l'avant. Je viens avec toi.
Ah bon? J'ai passé des années à attendre une occasion de venger mes sœurs. Mais j'en ai terminé. J'aimerais me battre à tes côtés. Les sœurs de la nuit et les Jedi ne voyagent pas ensemble, mais... les survivants doivent s'adapter. Ouais. Ouais, t'as pas tort. T'en penses quoi, BD ? Je suis d'accord. Par contre, on va devoir aussi convaincre le reste de l'équipage. Alors on fera ce qu'il faudra. Ok. Ok, bon, on retourne au vaisseau, puis je pense qu'on sera pas mal niveau temps. On va peut-être prendre les points. On ne peut plus avancer. Alors. Augmente les dégâts du sabre laser. Pas mal. Puissance de Steam augmentée. Force maximale augmentée. Somme de la force, non, ça on va garder, on verra après. Allez. On peut maintenant. Tout à l'heure, c'était toi aussi. En effet. Je voulais voir ce que tu ferais face à Maliko. Quoi, c'était un test? Et tu as réussi. Félicitations. Est-ce que tu vas m'aider ou pas? Tu t'en sortiras très bien. Dégoûté. Envoie un steam, BD. En pleine forme. Allez. Y a la copine qui nous attend. On va quand même faire le plein, si jamais. Ah ben voilà le copain. Il est là. D'accord. Là, je suis Durax.
Voilà. Maintenant, pour se concentrer. Voilà, vengeance. Ok. T'as trouvé quelque chose, BD? Oh, excellent. Une sœur de la nuit a survécu. Elle a quelque chose de familier. Non, non, non. Insupportable. En plus, ça rame. J'hallucine quoi. C'est vrai qu'il y a des moments le jeu quand même, il suit pas du tout. 2019 quand même le jeu. Ok. Tu l'as trouvé. Eh oh, qui c'est celle-là? Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Ça veut dire que je viens avec vous. Serré, Grise, voici Mérine. Je rêve ou c'est une sorcière? Une sœur de la nuit. Vous n'avez absolument rien à craindre. Je n'aurais pas trouvé l'Astrium sans elle. Elle m'a aidé à battre Malikos. Je lui fais confiance. Et on te fait confiance. Toi, tu devras faire tes preuves. Ok, très bien. Tu peux t'installer. Et n'essaie pas de nous la faire à l'envers. Bienvenue à bord. Il t'aime bien. Cool. Je comprends pas ce que tu dis. Ok, donc ce qu'on fait les... Y a pas de nouvelles graines. Grise, tu m'as appelé? Non. Ces lianes sont sans danger. Elles sont pas mal poussées. Alors. Ouais, d'ailleurs c'est une vraie plaie de les tailler tous les jours. Mais elles sont sans danger. On va méditer, regarder le temps. Et voir si on arrête là ou pas. Donc très bien les amis, on arrête là, on a largement dépassé la demi-heure. J'oublie pas de les couper. D'accord, c'est rassurant. Donc bah, dans la prochaine vidéo, on ira tout simplement dans la prochaine destination avec notre nouvel équipage. J'ai jamais eu aucun problème. Donc voilà. Écoutez les amis, bah, on se dit à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.